Hey yo tout le monde, on se retrouve sur Toon Saga, mais on va pas jouer donc aujourd'hui. Alors je vais juste vous parler de ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine. Comme vous avez vu, vous avez pas mal de vidéos qui sortent souvent même. Et c'est assez sympa, donc je trouve ça cool. Mais juste, comment vous dire? J'ai prévu parce qu'il va y avoir des gros changements par rapport au jeu. Enfin, au jeu, à ma façon de filmer, parce que, comme vous pouvez le voir, la souris là est en train de bouger, ce côté ici, là, non, pas ici, peut-être ici ou peut-être là, vous allez avoir comment dire, comme dans la plupart des vidéos que vous voyez par rapport à d'autres personnes, genre vous voyez leur tête, et ça, ben, ça va être une grosse, grosse nouveauté la semaine prochaine, donc vous allez pouvoir me voir en face. Comment je suis et tout, etc. Et ouais, parce que j'avais déjà prévu de faire ça, ça fait moins, mais juste il manque juste la webcam, donc normalement d'ici la semaine prochaine, je vais pouvoir faire ça. Donc ça sera cool. Et sinon, bah écoutez, moi je vais super bien. J'espère que vous aussi c'est le cas, les amis. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il y a toujours des vidéos qui vont être mises en ligne, qui vont en être pas mal pour prévoir le coup. Ce qui est de nouveauté, bah écoutez, je suis sur le jeu Toon Saga, et voilà, je me suis remis sur le jeu. Oui, je me suis remis sur le jeu et bah, je suis passé level. Même pas une semaine de sur le jeu. Je suis passé de level 59 à ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous allez voir, j'étais level 59 et là je suis passé level 64. Et normalement je suis level max aujourd'hui. Aujourd'hui même, je vais tourner la vidéo. Elle sera normalement en ligne today. Donc voilà, je suis passé level 64. Donc en tout cas, ça me fait très très plaisir en tout cas parce que voilà, j'ai repris du service et à fond la caisse. Donc ça fait. Quoi, ça faisait à peu près 6-7 mois que j'avais pas joué, et là bah écoutez, ça fait super plaisir de pouvoir jouer. Et je suis H24 connecté, oui, je le précise, je suis tout le temps connecté. Et si vous êtes intéressé de jouer avec moi, n'hésitez pas à faire un petit coucou, à me laisser un petit message ou même passer directement in-game et me dire ce que vous voulez. Donc voilà. Et ce qui est aussi de nouveau en fait, c'est que Twin Saga, ils se sont motivés à sortir le niveau 70. Voilà. Mais pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations, mais tout le monde pense que ça va être le niveau 70 parce que les potions de niveau 70 sont déjà disponibles actuellement Attendez, au lieu de parler, hop, je vais vous montrer. Épicerie, épicerie, voilà. Les pots 70 sont déjà disponibles, mais voilà, ils sont là. Les pots 70 sont déjà disponibles, ils auraient déjà, mais on ne peut pas les utiliser parce qu'on n'a pas accès au level 70. Et il y a pas mal de choses aussi qui ont été implantées, mais je pense que c'est toujours en test. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait très très plaisir voilà, parce que voilà, mon retour est vraiment tombé pic, vraiment au bon moment que la mise à jour soit, elle est prévue. Et comme vous avez vu sur les autres vidéos, on a prévu aussi, enfin ils ont prévu aussi de faire une espèce de fusion de serveurs allemands et français. Écoutez les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez de cette fusion, ce que ça va vous apporter, si c'est bien ou pas. Voilà. Donc voilà, on a déjà fait le tour. Et au passage, je voulais dire quoi? Donc voilà, d'ici là, vous allez avoir que des vidéos qui vont venir de Toon Saga, hein, parce que les autres jeux, bah, écoutez, ça me donne pas très très envie d'y jouer. Et entre nous, voilà, déjà AK, ça m'a un peu gonflé parce que j'avais créé des personnages pour faire des let's play. Mais au final, la personne que je voulais faire des let's play avec, bah, elle pouvait pas trop. Et avec son travail, etc. Donc, ça a été suspendu. Pour le moment, je sais pas si je vais continuer à faire des let's play sur Ata, mais je vous tiendrai informé de l'avancement. Voilà.
Et sur ce, bah écoutez les amis, on a déjà fait le tour. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou si ça vous a plu ou mettre un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à venir aussi sur le site Aeria Game pour avoir plus d'informations. Hein. Et pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui n'ont pas vu la lettre du PM pour le nouveau contenu et les informations, enfin, il nous a mis pas mal d'informations. J'ai fait une vidéo, donc je vous invite à voir cette vidéo-là et vous verrez bien les changements, les choses qui ont été prévues. Et il y a aussi une nouvelle classe aussi qui sera disponible après cette mise à jour, mais pour le moment, on n'a pas de date, on est encore en suspense et normalement, on va avoir une date cette semaine. Déjà, on va savoir si jeudi il va y avoir la fusion et on verra bien ce que ça va donner. Sur ce, bah, écoutez les amis, on vous rendez-vous sur notre vidéo et prenez soin de vous. Alors, vous êtes super, hein. Et sur ce, je vous dis ciao.